poursuivre mon chemin malgré les difficultés, virgule, la fatigue, virgule, l'agacement, point. Il m'aide à me consoler, virgule, me relever, virgule. On peut s'applaudir. Ouais, franchement, c'est intéressant. Surtout quand tu vois les petits qui sont émerveillés, tu te dis que quand t'étais petit, t'étais à leur place. Et moi, je me rappelle pas avoir eu des échanges comme ça avec des joueurs que je regardais à la télé, donc voilà, ça fait plaisir de faire plaisir. Je pense que les enfants sont de plus en plus informés, grâce aussi à leurs enseignants, grâce aussi à cette notoriété qu'Aïla aujourd'hui. Et je pense que les questions sont toujours pertinentes et elles s'intéressent à la personne. Et ça, moi, ça me touche le plus parce qu'on est sur des questions tout à fait pragmatiques, comment on vit la maladie. Et ça donne beaucoup d'espoir pour l'avenir. La recherche est longue. On sait déjà parfois, maintenant, aujourd'hui, on a déjà certains chemins où on sait qu'il ne faut pas les prendre. Donc ça, c'est important. Ça fait partie aussi de la recherche. Et puis, on a des espoirs. Pourquoi? Parce que Ella, ce n'est pas simplement Ella France, c'est aussi d'autres pays qui sont présents, c'est d'autres parents, c'est d'autres clubs, c'est d'autres sportifs, c'est d'autres acteurs. Et ça nous donne chaud au cœur aussi pour pouvoir continuer. Mais la route est encore longue.